Astrid Cyrano-Sian. Donc, pourquoi Astrid est là à côté de moi? Parce qu'en fait, elle est dans le numéro 4 de la revue, avec sa grand-mère Araxie, sa mère, son père, ses tantes, toute la famille, les copines. C'est une famille arménienne qui vit à Romans-sur-Isère et qui nous a invités pour le Nouvel An arménien. Donc, on a découvert des trucs extraordinaires, des recettes, et surtout une famille, très belle famille, qui est passionnée de gastronomie et de musique. Le père joue du piano, la sœur joue du violon, et Astrid, elle joue du violoncelle. Et même, tu as créé un festival à Romans-sur-Isère. Oui, les musicades à Romans-sur-Isère, donc ils mettent en miroir musique, littérature et gastronomie. Ouais. Voilà, ça regroupe tous les plaisirs de la vie qui sont bons à partager. C'est l'été, c'est juillet ou août? Août. Août, voilà. Ouais. Si vous voulez aller voir Astrid et son festival. Très bien. Donc voilà. Mais elle joue pas de musique dans la rue? Non. Ben non, non, mais non, justement, en fait, il se trouve qu'Astrid est musicienne, donc je trouvais ça super pour annoncer ce sujet qu'elle nous joue un petit air. Et alors, tu nous joues un petit air? Allez, je vous joue un petit air qui s'appelle Rapama. Ça parle d'une grosse citrouille que l'on farcit et que l'on partage entre amis et avec la famille. Okay. C'est bien ça. La citrouille. Comme me disait Astrid, la cuisine... On va pas le dire, parce qu'on va nous piquer l'idée. Qu'est-ce que t'as entre les mains, Emmanuel Jarry? Le numéro 4 de la revue. Très bien. Il est disponible? Oh bah oui. Oh bah c'est bien. En kiosque et dans toutes les librairies. Formidable. Enfin, dans les bonnes. Et donc, tu fais de la pub ou quoi? Ouais.